qui nous parlera de notamment des jardins partagés et puis d'un appel que lance Relocalisons. Et puis ensuite Thierry Golavoine, qui est également directeur de croissance, nous parlera aussi des jardins partagés et de l'aspect un peu politique de l'affaire. Donc l'idée c'est que chacun s'exprime pendant un petit quart d'heure, et puis ensuite on aura du temps pour soit pour leur poser des questions, soit pour partager des expériences que vous pouvez avoir vous dans vos villes, dans vos communes, ou d'expériences dont vous avez entendu parler ailleurs en France ou dans le monde. Et donc voilà, ça sera un petit peu l'idée de faire tourner la marmite des idées, des expériences. Alors est-ce que par hasard ce serait notre... Très bien, alors donc on va l'avoir en direct. Pas le temps de stresser, on s'assoit. Il y a un quart d'heure de retard déjà. Les agriculteurs, si on fait ça trop tard, après c'est une autre particulière. Après là, c'est fini. Ça passe pas. Bon, il faut parler dans un micro en plus. Oui, donc cet atelier. Bien matinal, avec pour but d'essayer de travailler ensemble sur cette notion d'agriculture urbaine qui aujourd'hui se développe. Hein. Vous l'avez toutes remarqué. Alors, sachant que dans notre vision, l'agriculture urbaine, c'est tout ce qui concourt à l'autonomie alimentaire. Et ce n'est pas forcément. La spécialisation entre des agriculteurs qui alimenteraient des consommateurs. Je pense qu'il faut aussi rechercher toutes les formes d'auto-organisation, d'autosuffisance des usagers de l'alimentation que nous sommes tous, et cela en lien avec les agriculteurs ou avec d'autres formes d'organisation pour produire ces biens essentiels. Donc, dans l'idée d'agriculture urbaine, on y met évidemment, et ça, je pense que Emmanuel va en parler, la nécessité de maintenir autour des villes les ceintures maraîchères, ceintures rivières, ceintures nourricières, peu importe le nom qu'on leur donne, sachant que le maraîcher ne suffit pas pour se nourrir, il faut aussi souvent boire et se nourrir les fruits. Donc tout ça, donc l'arboriculture de proximité est importante, y compris pour la production de nos boissons ou autres éléments nécessaires à la production. Alors dans le marais, évidemment, la base de notre alimentation, vous le savez tous, ce n'est pas les fruits et légumes, c'est les céréales. Donc ça veut dire aussi qu'il faut aussi, dans cette agriculture de proximité, penser à la production de céréales et de céréales pour l'usage de la consommation humaine, pas pour nourrir le bétail. Et enfin, la deuxième base de l'alimentation, c'est une matière grasse que l'on retrouve principalement, alors, suivant les régions, et ici, la matière grasse est fournie par les animaux. Alors que moi, je viens d'un pays où la matière grasse est fournie par les oliviers. Vous voyez que ce n'est pas le même type d'agriculture. Donc on a, dans cette réflexion sur l'agriculture urbaine, ce n'est pas que le maraîchage, c'est aussi comment... Dans la proximité des villes, il nous faut satisfaire tous ces besoins. Ça, c'est le premier point. Emmanuel en parlera, comment il faut obtenir une autre urbanisation, un autre aménagement des territoires, abandonner l'étalement urbain pour aller vers une concentration urbaine qui permette à proximité l'alimentation, c'est-à-dire des villes de dimension réduite. Et donc, ce qui explique notre totale opposition aux métropoles, aux mégapoles, à ces grandes propositions qu'on nous fait de Grand Paris, de Grand Ouest, de Grand... Voilà, qui, au contraire, éloignent de plus en plus les usagers d'alimentation, des producteurs d'alimentation. Tellement loin, tellement éloignés, qu'on crée des lignes de TGV pour nous amener des grandes vitesses, pour nous amener les fruits et légumes du Maroc, ou du sud de l'Europe à travers la ligne Lyon-Turin ou la ligne Bordeaux, la ligne que vous connaissez sur le Grand Ouest. Donc voilà, ça c'est la première partie. La deuxième partie de l'agriculture urbaine, et ça je pense que c'est Thierry qui en parlera, c'est tout ce qui se développe actuellement, les AMAP,
les jardins partagés, les jardins urbains, les jardins sur les friches urbaines, le mouvement anglais incroyable comestible, et également les systèmes d'échange, enfin les coopératives de consommateurs. Voilà, tout ça, ça participe de cette agriculture urbaine, sachant qu'il faut aussi se réapproprier, retrouver dans les villes des lieux où les usagers, les consommateurs puissent retrouver l'usage du jardin. Donc il faut que les villes soient à la fois plus concentrées en hauteur pour ne pas occuper de trop de place, mais libèrent du sol de proximité pour qu'on puisse à vélo, et évidemment sans prendre une voiture pour y aller, à vélo ou à pied, se rendre vers son jardin. Bon, moi je viens, alors là actuellement j'habite dans le sud, mais j'étais avant dans cette fameuse 9-3, où nous avions, toutes les familles avaient un jardin. Moi je viens d'une famille d'immigration, et tous les ouvriers immigrés de la génération de mes parents avaient tous des jardins. Ça faisait partie de notre façon de vivre. Et d'ailleurs, si certains ont pu subsister, si on a pu survivre en période de grève ou en période de non-emploi, c'est parce qu'il y avait le jardin. Et moi, j'ai même tendance à dire, personnellement, moi, j'avais toujours un travail où j'avais un jardin. Je gagnais plus d'argent à faire mon jardin qu'aller travailler. Mais voilà. Donc, je pense qu'il faut réfléchir aussi à ça, c'est que le jardin, c'est aussi une forme d'autonomie par rapport au salariat. Donc, il faut qu'on réfléchisse à nouveau sur cette notion d'autonomie alimentaire. Alors, et en cela, et je terminerai là-dessus, je distingue ce débat de la souveraineté alimentaire. Le syndicalisme agricole, et voire les institutions parlent de souveraineté alimentaire, et élargie au niveau européen, voilà, ça devient carrément, comment dire, un foutage de gueule. Mais il faut la distinguer, la souveraineté alimentaire, de l'autonomie alimentaire. Parce qu'on peut très bien, un pays peut être souverain alimentaire et avoir une spécialisation territoriale qui fait qu'à tel endroit on va faire que du lait, à tel endroit on va faire que des céréales, d'autres endroits on va faire que, alors on sait, c'est la suite, c'est une extrapolation qui n'existe pas, que des olives, et à tel endroit on va faire que des légumes. Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, on n'en est plus là, puisque notre tel endroit pour les légumes, ça va être le Maghreb, et les fruits et légumes, notre tel endroit pour, voilà, donc on a malheureusement une vision de la souveraineté alimentaire grâce à l'Union européenne qui est tellement élargie que plus personne ne la maîtrise, cette souveraineté alimentaire. Donc je crois qu'il faut aller plutôt vers une autonomie alimentaire des communautés. Et là, c'est une réorganisation à la fois du territoire, des circuits de circulation des marchandises, mais aussi une réappropriation de toute la distribution de l'alimentation et de sa production. Donc, ce qu'il faut donc dans cet atelier, que nous discutions sur production, distribution et organisation des consommateurs. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'à la naissance du mouvement ouvrier, la principale chose qui a été mise en place, c'est des coopératives de consommateurs d'achat. C'était la base de l'organisation territoriale du syndicalisme quand il s'est créé à la fin des années 1800, début 1900. C'était les bourses du travail pour que les travailleurs ne soient pas isolés et les coopératives de consommateurs pour qu'ils maîtrisent leur alimentation. Et cela, on l'a bien perdu aujourd'hui quand on sait qu'on va, pour la plupart, pas entre nous sans doute, mais pour la plupart des gens vont acheter dans des grandes surfaces sur le monopole de 8 grandes plateformes de distribution. Voilà, donc je vais passer sans doute à Emmanuel, et après Thierry. Oui, bonjour, donc je vais continuer en fait à vous parler d'abord de l'appel ceinture vivrière. Donc relocalisons à lancer un appel donc à créer, préserver et étendre les ceintures vivrières autour des agglomérations. Et donc on est parti du constat du problème de l'artificialisation des sols, hein, donc le bétonnage, le goudronnage. Ah, c'est mieux là. Bon, je ne sais pas si vous m'entendiez avant ou ça allait. Donc là j'évoquais l'appel ceinture vivrière
lancé par Relocalisons pour préserver les terres vivrières autour des agglomérations. Et donc on est parti du constat de l'artificialisation des sols. On sait à peu près tous que c'est un département tous les 7 ans qui disparaît sous le goudron et le béton. Et de ce constat-là, on a développé un certain nombre de revendications, de demandes qui s'adressent à la fois aux politiques, aux agriculteurs et aux citoyens. Donc là, je vais pas insister sur le côté agriculture nourricière qui a déjà été évoqué hier, par exemple, dans un des chapiteaux, mais sur les différentes demandes que l'on a, parce que c'est un sujet où les politiques, les citoyens, où chacun a besoin d'être sensibilisé. On est tous là aussi pour ça à Notre-Dame-des-Landes. Donc on a quelques demandes, notamment sur les politiques. Donc c'est geler tout nouveau projet, donc ça peut être immobilier, routier, les zones commerciales, les fermes photovoltaïques, des grandes usines à méthanisation, sur les terres agricoles qui sont susceptibles de les désaffecter de leur vocation nourricière. Donc c'est inséré dans tous les plans d'aménagement, des plans d'extension des ceintures vivrières. Donc il y a bon nombre de type d'aménagement, ça va être les schémas de cohérence territoriaux, ça va être les agendas 21, ça va être les plans locaux d'urbanisme, les zones d'aménagement protégées. Il y a toute une ribambelle de possibilités qui permettent à des politiques de préserver les terres, de sanctuariser les terres et les protéger la vocation nourricière de ces terres. L'autre point important, c'est d'affecter les terres préservées à l'alimentation des populations locales. Donc comme on a évoqué tout à l'heure, les ceintures vivrières, moi je suis de la région parisienne, on n'a plus de ceintures maraîchères, de ceintures vertes, et les terres qui restent, c'est des céréales qui sont destinées à l'exportation. Donc notre blé, il va être vendu à New York ou ailleurs, et à côté de ça, il n'y a plus de lien entre les populations locales et les agriculteurs qui ne fournissent pas pour eux d'ailleurs. Donc en fait c'est ça, affecter ces terres à l'alimentation des populations locales. Il y a un autre point important, c'est permettre l'installation des nouveaux paysans, des paysans sans terre, parce qu'on parle, on évoque les paysans sans terre au Brésil ou ailleurs, mais on a bon nombre de paysans sans terre en France. Donc permettre l'installation de ces nouveaux paysans par l'allocation des terres qui appartiennent ou des terres qui sont achetées par les collectivités, donc les départements, les régions, mais également les coopératives d'achat. Hein, donc on parle de terres de lien, mais les collectivités ont un rôle à jouer dans tout ça. Elles sont propriétaires de foncier, elles peuvent très bien affecter une terre d'une ville, d'un département, à la population locale. Ensuite, il y a aussi un point crucial, c'est de refuser de rendre les terres agricoles constructibles. Parce que tant que un agriculteur a la perspective d'une plus-value substantielle en revendant sa terre, est-ce qu'il a vraiment intérêt, envie de s'en passer de cette plus-value possible, quoi. Donc c'est un point très important de ne pas rendre constructibles ces terres et éviter ainsi la spéculation immobilière. Alors ensuite, un autre point, c'est de permettre une alimentation saine et de proximité pour les populations locales en assurant les débouchés aux producteurs bio. Donc il y a certaines communes comme Mouans-Sartoux qui ont décidé d'acquérir des terres et de salarier une agricultrice pour approvisionner les cantines scolaires et la restauration collective de la commune. À ma connaissance, il n'y a que cette commune qui s'est engagée dans ce sens. Mais voilà, on est chacun dans une commune qui peut... on peut chacun solliciter son maire pour ça, quoi. Donc assurer les débouchés, voilà, la restauration collective, et surtout
garantir un prix d'achat rémunérateur équitable pour le producteur, parce que c'est pas pour faire comme la grande distribution et sous-payer et détruire l'emploi agricole, quoi. Donc c'est aussi affecter les espaces verts à l'intérieur des villes pour développer des jardins collectifs. Donc notamment autour, ce qu'évoquait Christian tout à l'heure, autour des habitats collectifs. Mais c'est aussi s'opposer à l'interdiction de maraîchage dans les nouveaux lotissements. Il y a bon nombre de lotissements qui interdisent le maraîchage. Ensuite, toujours pour favoriser la proximité et les populations locales, c'est favoriser les circuits courts, donc des marchés de producteurs, des foires, bien sûr les AMAP. Des communes peuvent mettre à disposition des locaux pour la distribution des paniers ou distribution de circuits courts en général, quoi. Et enfin, et ce qui paraît un autre important crucial, c'est vraiment de développer un projet pérenne de l'agriculture vivrière. Donc ça va être avoir l'objectif de 30% des terres d'une commune, d'une collectivité, d'une région affectées à l'agriculture vivrière. Pour l'instant, on attend encore beaucoup les politiques sur ce sujet, quoi. Donc ensuite, le deuxième volet en dehors des politiques, là il y a beaucoup à faire, mais c'était aussi de lancer un appel aux agriculteurs pour qu'ils mettent à disposition des parcelles pour qui veulent pas forcément exploiter qui mettent à disposition des parcelles pour l'installation de nouveaux paysans. Si les politiques ne se bougent pas, il y a quelques agriculteurs qui peuvent aussi avoir envie d'agir en ce sens, quoi. Il y en a, c'est sûr. Et donc aussi, pour les agriculteurs, favoriser dans la mesure du possible les circuits courts, donc pour l'écoulement plutôt que la grande distribution. La dernière partie de cet appel, ça visait surtout les citoyens, et signaler partout autour de nous, parce qu'on est... quotidiennement la terre disparaît, donc c'est que là, dans tous les endroits en France c'est le cas, c'est de signaler partout où les terres sont menacées. Donc ça, c'est également lancer un appel à développer des initiatives locales qui agissent pour l'agriculture de proximité. Donc ça va être le jardinage, jardinage individuel mais aussi collectif. Dans les écoles, dans les collèges, c'est également, en plus du jardinage classique, c'est les jardins familiaux, collectifs ou les jardins ouvriers, ça va être créer des associations d'échange de jardins. Donc là Thierry va pouvoir nous parler de l'exemple de Saint-Nazaire, je crois. Ça va être s'impliquer dans les AMAP, les circuits courts, c'est aussi porter des foires ou des marchés de producteurs bio. C'est quotidiennement dans ces achats, ça va être soutenir l'agriculture et l'alimentation de proximité. Donc les ventes à la ferme, les artisans, les producteurs locaux. C'est aussi soutenir par l'épargne solidaire, par le rachat de terres agricoles. Donc là, je pensais en particulier à Terre de Liens. Mais c'est dans la diversité des possibilités, ça va être semer des graines, ça va être planter des arbres fruitiers partout, c'est possible en ville et en périphérie urbaine. Donc là, je pense à des mouvements comme Guérilla Gardening qui se développent. Il y a les Incredible Edible, les Incroyables Comestibles, donc la culture de jardin dans les villes et à disposition gratuitement des populations. Ça va être... je pense par exemple en région parisienne à une association qui s'appelle Verger Urbain. On n'est pas obligé d'avoir que des platanes ou des jardins décoratifs. Les villes pourraient aussi orienter des choix vers des vergers. Pourquoi pas avoir des cerisiers au lieu des platanes. On peut aussi s'alimenter avec comme ça et développer les terres vivrières de cette façon. Y compris sur les toits, un certain nombre d'associations en région parisienne développent des jardins sur les toits. Donc je pense à Montreuil, où il y a un supermarché qui est recouvert d'un jardin collectif, mais il y a différents exemples comme ça.
bon, ça se voit en région parisienne ou ailleurs, à New York, à Montréal, il y a beaucoup d'exemples d'agriculture urbaine qui sont particulièrement développées. Alors, en dehors de, je ne sais pas si il me reste encore quelques minutes, donc en dehors de cet appel ceinture vivrière où beaucoup reste à faire, où je vous appelle à le signer sur le site relocalisons.org ou de passer à notre stand, Relocalisons s'implique également concrètement dans le Val-de-Marne sur un jardin collectif. Donc là, c'est des terres mises à disposition par le Conseil Général du Val-de-Marne sur un projet qui s'appelle Une Terre pour Apprendre. Donc sur ce projet, c'est un espace de 40 hectares où pendant des années, c'était une friche dont l'affectation n'avait pas été clairement définie. On évoquait des projets routiers ou autres. Et finalement, un jardin collectif, c'est un jardin, des jardins individuels, des jardins partagés se sont installés. Et c'est une forme de pression citoyenne pour faire évoluer le choix du département et d'envisager de préserver ces terres à vocation agricole. Donc, Relocalisons s'est impliqué dans ce projet-là sur 2 hectares et on développe un jardin collectif en permaculture. Donc, on dispose en fait de bâtiments d'une ancienne ferme qui datait des années 70, qui était quelque peu vétuste et qui sont en train d'être réaménagés. Et sur ce terrain, on développe à la fois du maraîchage, donc culture sur but, on a une serre, on a maintenant un poulailler, à la fois donc du maraîchage, des vergers, on a une trentaine d'arbres qui ont été plantés, et les céréales. Donc on a fait notre première moisson en septembre dernier de blé, à la faux et à la faucille, pour montrer qu'on peut aussi se passer de pétrole quand on est motivé et quand on a la volonté, la conscience de la préservation de l'environnement. Voilà, il y a des possibilités qui existent. Ça met un certain temps parce que c'est bon nombre de réunions avec le Conseil Général, c'est des institutions avancées. Rarement aussi vite qu'on voudrait, mais il y a quand même certaines possibilités et beaucoup de choses enthousiasmantes sur le terrain. Faire votre vin. Et bientôt, avec l'aide de Christian, on fera peut-être notre vin ou de la vigne sur le terrain. Voilà, je vais passer peut-être la parole à Thierry. Merci Emmanuel de cette expérience concrète avec le jardin de la Plaine des Bordes. Et moi, j'ai parlé d'une autre expérience concrète qui s'appelle Lien élémentaire et puis après, replacée dans un contexte un peu plus politique, puisque on fait partie du mouvement des objecteurs de croissance qui pose la question de cette croissance infinie dans un monde aux ressources limitées. Donc, je vais vous parler de l'expérience qu'on a menée, qu'on mène actuellement sur la ville de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Avec une association que nous avons créée à plusieurs et dont l'une des fondatrices est ici, qui s'appelle Lien élémentaire. Et en fait, c'est à partir d'un besoin personnel. On se disait, nous, on a besoin de jardiner, mais notre petit jardin n'est pas suffisant pour produire un peu plus de légumes. Et en connaissant un peu la géographie de la ville, on s'est dit, mais sur cette ville, il y a plein de jardins qui, et connaissant aussi la démographie de la ville, il y a plein de jardins qui sont inoccupés et qui pourraient être mis à disposition à des personnes qui voudraient jardiner. Et donc, on a pensé que créer un cadre associatif, ça permettrait de rassurer les personnes qui ont des jardins qui ne s'en occupent plus pour différentes raisons, souvent le vieillissement. Donc ce cadre associatif permettrait de rassurer les personnes qui mettraient à disposition ces jardins. Et donc on a créé ça fin 2009. Et en fait, à notre grande surprise, la graine a germé très très vite. Beaucoup de gens ont été intéressés pour participer, pour jardiner, puis aussi pour proposer gratuitement leur jardin. Depuis, on a pas très pratique ce bruit de fond là. Une quinzaine de jardins partagés, et quand on a créé l'association, on se disait une personne avec un jardin va accueillir un jardinier,
Et en fait, les personnes qui venaient jardiner, c'était des personnes qui ne savaient pas forcément jardiner et qui ont exprimé le besoin de jardiner à plusieurs, de manière à se soutenir et à se travailler ensemble. Et donc, ce qui fait que sur ces 15 jardins qui sont proposés par des habitants, souvent des personnes âgées, souvent des femmes, eh bien, il y a à chaque fois plusieurs personnes qui jardinent collectivement. Et donc ça crée plein de liens sociaux. L'association, on l'a créée de manière aussi à ce que les besoins soient exprimés à chaque rencontre mensuelle qui est suivie d'un repas partagé, ce qui fait que bien dans les adhérents, par exemple, on a Alain, qui est notre jardinier référent maintenant, qui a un peu plus de 70 ans, qui, lui, avait transmis ses connaissances auprès d'enfants sur la question du jardinage. Il s'est dit, mais en voyant tous ces adultes qui avaient 30-40 ans, qui ne savaient pas jardiner, mais pourquoi on ne ferait pas un jardin-école pour adultes? Et il s'avère qu'il y a un monsieur qui a 90 ans, qui a proposé une parcelle de 700-800 mètres carrés, et on a créé un jardin-école. Où il y a une douzaine de parcelles où chaque semaine, deux fois par semaine, Alain vient transmettre son savoir, et donc il y a toutes les étapes de la culture qui sont produites tout ça dans le cadre associatif et de la gratuité. Il y a juste l'adhésion à l'association qui permet d'accéder à tous ces échanges. Et donc ce projet associatif qui était aussi sur l'échange de jardins, mais était aussi basé sur un autre pied, c'était ce qu'on avait dans notre petit fascicule de démarrage, c'est moins de bitume, plus de légumes. C'est Lien Alimentaire entend s'impliquer dans la vie de la ville afin de promouvoir la création de jardins partagés, la plantation d'arbres fruitiers en ville et la transformation d'espaces laissés en friches en terres cultivables. Ce faisant, l'association agit pour une autre idée du paysagisme urbain et œuvre pour la multiplication des espaces destinés au jardinage. Donc, c'est un projet qui, au démarrage, part de besoins de quelques individus, en pensant que ça peut répondre à d'autres besoins, et on voit que ça fait émerger plein d'idées, plein de générosité. À partir des besoins, on a eu il y a Christina qui avait contacté une personne qui lui disait moi j'habite dans un petit HLM, un petit collectif de 8 logements, j'aimerais bien avoir un composteur. Et l'association travaille avec un copain qui a sa structure, qui apprend à faire du compostage et à faire du compost. Et donc, on est allé la rencontrer et on s'est rendu compte que là où elle habitait, il y avait éventuellement l'espace pour faire un jardin. Et ça, au bout d'un an et demi de travail, de rencontre, de partage des besoins de chacun, on a réussi, on a inauguré le jardin fin juin, là, un jardin de quasiment 50 mètres carrés, donc qui est un jardin au carré, c'est-à-dire qu'on on a travaillé avec des associations d'insertion qui ont mis à disposition des bacs en bois qui ont permis de mettre de la terre, qui a été 10 mètres cubes de terre qui ont été donnés par une entreprise. Et avec l'huile de coude, on a rempli tout ça, on a fait un beau jardin avec les habitants. Et depuis, l'immeuble, c'est une autre vie qui commence. C'est-à-dire que des gens qui ne se connaissaient pas dans cet immeuble que de 8 logements, se disent bonjour, mais viennent prendre l'apéro dans le jardin ou prendre le petit-déj dans le jardin. Et on voit comment aussi le fait de faire un beau jardin, ça attire les gens qui passent le long du jardin. Il y a une dame qui, c'est l'une des habitantes, Lily, qui racontait ça. Une personne qui s'arrête tous les jours devant le jardin tellement il est beau, il dit « c'est ma bouffée d'oxygène ». Et, les voisins posent des questions, il y a les enfants. Il faut savoir que, alors ça c'est une expérience... je relate, c'est quand on a lancé le jardin, on s'était réunis, donc sachant que les HLM ont mis de l'argent pour avoir un récupérateur d'eau et puis faire l'enclos, donc pour avoir un jardin, correct. Et donc on était à discuter avec les habitants, nous, Lien Alimentaire, Jardin Compost, et puis les gens de la CLM. Et on voyait les enfants papillonner, c'était au mois d'octobre, il faisait presque nuit. Donc on se disait, bon, les enfants, ils sont pas très intéressés, bon, c'est des enfants. Les papillonnages, c'est qu'ils allaient chercher des craies, ils allaient chercher des trucs, et ils ont dessiné le plan du jardin, sur le goudron, à la craie,
avec un beau quadrillage. Il y a eu le F pour les fleurs, le B pour le banc, le L pour les légumes. C'était magique, c'est-à-dire que les gamins avaient créé le jardin dans leur tête. Donc bah, c'était parti. Donc on a la succession alimentaire en février a offert des arbres fruitiers, donc c'est deux arbres fruitiers que les enfants ont plantés, il y avait des framboisiers. Et puis donc le jardin, ça y est, il est parti. Et on espère que ça sera une sorte de jardin pilote qui va essaimer dans d'autres lieux HLM. Donc ça c'est un exemple au niveau de la réappropriation de l'espace urbain. Un autre exemple, c'est une dame qui me contacte, qui me dit derrière chez moi il y a 1500 m² de friches. Ça serait bien que ça devienne un jardin partagé. Donc je vais jeter un œil. Je trouve l'endroit génial parce que c'était d'anciens jardins avec un verger. Donc une zone d'aménagement différée. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Une ZAD. Donc une zone qui était prévue pour la construction d'immeubles, donc qui appartient à la collectivité, qui est un bien commun. Donc on a commencé à travailler avec plusieurs associations parce que l'idée c'est de coopérer, de mutualiser. Il y avait Bretagne Vivante qui s'occupait plutôt de la partie biodiversité parce que comme c'était en friche, il y avait plein d'espaces intéressants, des espèces à protéger. Et puis, donc avec Incroyable Comestible, le groupe de Saint-Nazaire, et aussi la question du compostage, parce que c'est un quartier en plein centre-ville de Saint-Nazaire, donc il y a la résidence des jeunes qui est juste à côté, des maisons individuelles, il y a du collectif, donc c'est un espace assez diversifié. Et donc on a commencé à élaborer ce projet collectivement, puis on s'est dit, il va falloir contacter la municipalité, parce que c'est quand même... un bien commun. Et là, on a été un peu surpris de la réaction de l'élu de quartier quand on lui a proposé le projet. Elle a commencé par dire « Ah, mais ça va pas être possible pour des raisons de procédure, parce que j'en ai parlé à l'adjoint à l'urbanisme. Vous comprenez, si les jardiniers ne veulent pas quitter l'espace s'il y a un projet immobilier, on sait ce que ça donne, on voit ce que ça donne à Notre-Dame-des-Landes. Et puis il rajoute, et puis on connaît Thierry. Thierry, c'est moi. Et en fait, j'étais conseiller municipal pendant 2 ans d'opposition à la mairie socialiste vert PC. Et là, je lui ai dit, mais ça veut dire quoi? Et là, elle nous a fait comprendre qu'en fait, il n'y aurait pas de jardin partagé sur cette friche tant que ça ne passerait pas par le conseil de quartier, évidemment, qui est présidé par l'élu quartier, qui est à huis clos. Et qui est bien dans la ligne de la politique municipale. Donc on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on veut? C'est ne pas avoir naître un jardin en plein milieu de ville ou... Donc on s'est arrangé, je me suis arrangé pour trouver quelqu'un qui était dans le conseil de quartier et lui qui a trouvé l'espace génial et qui a complètement accroché et qui a défendu mordicus ce projet. Ce qui fait que la mairie finalement s'est emparée du truc. Bon, elle a récupéré, les élus socialistes se sont empressés de récupérer le projet en disant remettre la nature en ville sur une zone abandonnée. Ah mais il faut lire le bulletin municipal de Saint-Nazaire, c'est croustillant. Ou alors, je fais une petite chronique du numéro de jeu du journal La Décroissance sur ce CELTAZAD à Saint-Nazaire. C'est croustillant, quoi. C'est des gens qui n'ont aucune reconnaissance pour le travail qui est fait par le milieu associatif. Tant qu'on peut récupérer, c'est... Et donc, ce projet, on a fait plusieurs chantiers collectifs à jusqu'à 50 personnes, mais avec les 6 citoyens alentour, les gens des associations. On expérimente différents types de cultures, la permaculture en butte, en lasagne. On a dégagé le verger, on a prévu de faire une zone pour faire des festivités, des petits concerts. Donc on voit que ça redonne de la vie en ville, ça recrée du lien social. Les gens qui habitent autour sont super contents de voir revivre ce jardin, cet espace qui était des jardins. Et puis ils se disent « Ah mais on préfère voir des jardins que des immeubles ». Et puis on s'est attaché à ce que ce jardin partagé il introduise dès le démarrage la question de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Parce qu'en fait, dans le cadre de biens alimentaires, nous on a rencontré quelqu'un qui avait une difficulté à se bouger. Il n'est pas en fauteuil, mais la personne à mobilité réduite, c'est pas que les gens qui sont en fauteuil. Hein. Et donc, on a intégré ça dès le démarrage, et là on a été aussi très surpris de la réaction de l'élu en nous disant
la première réunion, d'ailleurs Christina a quitté le collectif, le comité de pilotage suite à ça, tellement ça a été estomacant. C'est que l'élu, on présente la question de l'accessibilité au handicap, sachant qu'on a fait ce jardin partagé avec 0 euro. Tout avec la débrouille, l'échange de savoir, l'échange de matériel, le voisin qui prête le courant pour faire le broyat. Et donc, à un moment, je pose la question qui fâche, mais est-ce que c'est possible d'avoir des sous pour préparer le terrain? Et puis alors là, Thierry, je t'ai dit, c'est zéro budget. Et puis si on avait su qu'il y avait la question du handicap, mais on n'aurait jamais fait ce projet. L'élu socialiste qui dit ça devant une quinzaine de personnes. Bon, je pense qu'elle s'est rendu compte d'un peu l'énormité de ce qu'elle a dit, mais donc depuis, on a l'accès au handicap. C'est-à-dire que la terre est bien stabilisée, tout ça. Bon, voilà. Donc ça, c'est le projet de la ZAD de Saint-Nazaire. Et dans le cadre de l'association Lien Alimentaire, on a une personne qui un jour nous contacte pour nous proposer un jardin pour un jardinier. Donc on va visiter le jardin parce que l'idée, c'est de bien rencontrer toutes les personnes. Et puis, après la visite du jardin, elle nous dit « Ah, mais j'ai quelque chose à vous montrer. » On la suit. Et là... Là, c'est une rencontre fabuleuse. Elle nous ouvre le portail. Et là, on voit un premier arbre fruitier, deuxième arbre. Et là, 1500 mètres carrés d'un verger que son mari a constitué, une sorte de... Il est décédé il y a un an et demi, il travaillait au chantier de l'Atlantique. Et c'est un passionné de pomologie. Et il a traversé la France pour aller récupérer des greffes, plein d'arbres. Et donc, il y a une diversité. Il y a plein d'arbres, de jeunes arbres de 2-3 ans qui vont être bons à transplanter. Et là, on est plein sur l'idée de, à l'automne, on va faire de ce verger un verger école. Donc pour l'apprentissage de la taille, la question du greffage, et puis la transplantation des arbres fruitiers. Et donc on va commencer, l'association a déjà commencé à offrir des arbres aux habitants d'un quartier de la ville de Saint-Nazaire. Donc, des arbres qui ont été plantés avec les enfants d'une école, avec les gens, avec des panneaux qui ont été faits par la maison de quartier. Vous voyez, des projets où on essaie d'associer à chaque fois le maximum d'acteurs pour justement faire prendre conscience de la nécessité de se re-questionner sur la place de la vie dans la ville. Et donc là, l'automne, ça va être l'objectif, trouver des écoles, des lieux publics, des lieux privés pour planter ces arbres fruitiers. Et donc, vous voyez, c'est à partir d'une expérience, et ça, je suppose que vous allez pouvoir en parler de vos expériences dans les endroits où vous habitez, il y en a un, ça fleurit partout. Quand on a lancé l'idée de l'échange de jardin, en fait, on a essayé de faire connaître cette expérience, et depuis, il y a l'association Jardin Ouvert à Rennes qui a repris l'idée, l'association Piaf à Pontchâteau qui est pas très loin, qui a repris l'idée, la Chapelle-sur-Erdre, ils sont en train de le faire, il y a d'autres, il y a Trélazé, je crois, aussi, Trélazé, au côté d'Angers, qui ont repris l'idée. Donc l'idée, c'est de semer des graines, et chacun peut les prendre, c'est la gratuité, c'est la question de la gratuité, et aussi dans le cadre de l'association, une chose que j'ai oublié, c'est de dire que on a commencé à constituer une grainothèque en association avec Cocopelli et d'autres producteurs de graines non OGM et non hybrides pour apprendre à refaire nos semences et se passer de cette société de consommation qui est, quand on va jardiner et tout ça, ils sont beaucoup d'argent sur la recrudescence du jardinage chez les citadins. Hein. Sauf que ça, c'est dans un but aussi capitalistique. Et quand on voit même ce qui est vendu en jardinerie, ce sont vraiment même en bio, des plantes F1 ou comme ça, si on prend les graines, on n'est pas sûr d'avoir des plantes à nouveau très productives la saison d'après. Quoi. Donc on voit qu'il y a... Là, je finis sur la question plus politique. Nous, au niveau du mouvement des objecteurs de croissance, on considère que avoir des beaux discours politiques sur l'autonomie alimentaire, la relocalisation, c'est nécessaire. Mais il faut absolument qu'on s'appuie sur la question des alternatives, c'est-à-dire qu'on bénéficie des expériences, qu'on les analyse, qu'on les critique, qu'on en voit les limites,
Parce que généraliser les jardins en ville, c'est pas ce qui va nourrir toute la population des villes, hein. Mais ça permet de réintroduire la question de l'accès à l'alimentation, la qualité de l'alimentation, les circuits courts, l'impact énergétique dans la réduction des transports. Et donc, nous, au niveau des objecteurs de croissance, on est très impliqués dans les alternatives. On essaie de développer la question du projet sur la nécessité d'une relocalisation par rapport aux problèmes climatiques, mais aussi aux problèmes de conditions de travail, parce que les fruits et légumes qui viennent du Maroc, qui sont transportés par des gens qui sont payés à coups de lance-pierre dans des conditions de travail exécrables, c'est aussi une question sociale. Donc comment lier la question sociale et la question écologique à travers la relocalisation? Comment faire en sorte de démarchandiser le monde à travers la gratuité des semences? Aussi, comment réintroduire cette question du ralentissement de nos vies? Parce qu'on voit qu'à travers ces exemples de jardins partagés, c'est du temps qui est passé. Par exemple, nos rencontres mensuelles, c'est à chaque fois, c'est trois heures. C'est-à-dire qu'il y a le temps de réunion et il y a le temps de partage du repas. C'est-à-dire que on prend le temps de se rencontrer, de se connaître, et c'est là qu'on découvre la richesse de chacun, et c'est là que d'autres projets émergent. C'est là que l'idée du jardin école, elle a émergé. C'est-à-dire que des gens qui savent faire plein de choses, qui ont envie de transmettre leurs connaissances, leur savoir-faire, et dans le cadre de la gratuité aussi, ça, c'est arrêter de penser qu'il faut tout professionnaliser, tout... Il y a une richesse humaine, des savoir-faire qu'il faut absolument... Christian, qui est très modeste, n'a pas du tout parlé du magazine Fruits Oubliés qu'il a fondé. C'est une revue où il parle de tout ce qui est les vignes interdites. Ils viennent de sortir un livre sur la transmission des savoirs sur la conservation des graines, la conservation des plantes aussi. Des fruits. Donc la relocalisation, la gratuité, le ralentissement, l'autonomie alimentaire. Donc, et puis, nous, au niveau des objecteurs de croissance, c'est trois pieds, c'est les alternatives concrètes, le projet, mais aussi la visibilité. C'est-à-dire comment on fait en sorte que nos idées et ces expériences, elles soient connues pour montrer qu'un autre monde est possible, comme diraient les altermondialistes. C'est-à-dire que sans illusion, sans attendre le grand soir, il est possible, dès maintenant, où on habite, de mettre en œuvre les idées qu'on porte, les valeurs qu'on porte. C'est déjà, à titre personnel, c'est être cohérent, ça permet quand même de donner plus d'énergie, parce que si on allume juste la télé, on écoute les informations, on se fait pomper toute notre énergie, tout va mal, il y a les grands projets inutiles, tout ça, mais c'est vrai, il y a plein de choses qui vont mal, mais on a aussi une responsabilité, là où on habite, de faire en sorte de faire du mieux qu'on peut. Et bien, moi, je vous invite à vous saisir de la question des enjeux électoraux de l'année prochaine, 2014, sur cette question de l'agriculture urbaine. Parce que moi, je pose... Les municipalités, elles ont la responsabilité de l'alimentation des cantines scolaires. C'est-à-dire que tous les enfants des écoles sont nourris sur des choix politiques. C'est-à-dire que c'est la municipalité qui décide ou non de déléguer le service public à Sodexo, de faire des cantines centrales où on supprime tous les cantinières et les cuisinières. Et donc ça, je pense que nous, au niveau du mouvement des objecteurs de croissance, justement, on invite à ce que les citoyens se reprennent en main, fassent des listes citoyennes pour mettre sur le débat public ces questions-là, de manière à obliger à se poser cette question, comment on fait pour relocaliser, comment on fait pour retrouver une autonomie alimentaire sur les territoires. Et donc, il y a des outils. Donc, les choix au niveau des cantines scolaires. Dans les grandes villes, il y a une armada souvent de jardiniers qui travaillent, qui sont des gens du service public. Pourquoi pas imaginer qu'une partie d'entre eux, certes, l'embellissement de la ville, c'est nécessaire. Hein, quand on voit l'urbanisme, les panneaux publicitaires, c'est pas forcément très joli. Voir des panneaux fleurir partout. Mais pourquoi ces jardiniers ne seraient pas là, puisqu'ils ont des outils de travail, des serres? Pourquoi on ne leur demanderait pas de... Au témoignage, sur Nantes, comme à Saint-Nazaire, il se passe des choses comme ça. Il y a les incroyables comestibles qui s'installent.
l'échange de jardin, il y a sur Saint-Sébastien aussi, ça s'est développé. Donc oui, bravo, ça va dans le bon sens. Bon, moi, en deux mots, je suis Pascal Requer de l'association Composterie, où on développe le compostage partagé en pied d'immeuble. Et c'est pareil, ça rentre dans la même logique de se réapproprier le lieu de vie et de reprendre possession des communs dans les habitats sociaux, dans les habitats verticaux, dans les copropriétés, etc., ou dans les quartiers. Et moi, je voulais juste faire une petite remarque, c'est qu'on parle de l'impact sur le milieu rural du développement de la ville, donc avec des projets comme celui de Notre-Dame-des-Landes, mais il faudrait aussi voir l'impact du développement urbain avec des propriétés qui font je ne sais combien de milliers de mètres carrés, le développement des élevages de chevaux qui sont en concurrence directe avec la mise en place de projets de production de proximité. Donc je pense aussi que pour les collectivités aux alentours, c'est un vrai problème, et que nous, citoyens, dans notre manière de vivre, de consommer, mais de vivre aussi, on peut influencer ce développement anarchique. Moi, j'aimerais avoir votre sentiment sur la notion de densification. On a l'impression qu'aujourd'hui, pour être écolo, il faut impérativement densifier la ville. Donc quelque part, ça veut dire aussi réduire les espaces naturels ou autres, ou pas quoi. Donc à un moment donné, il y a une espèce de contradiction. Là, si vous pouviez développer un petit peu votre senti là-dessus. J'ai deux remarques à faire sur la première intervention. C'est sur la question du cadre politique un petit peu dans lequel peut se développer et comment peut se développer ce type d'agriculture, l'agriculture urbaine. Tu as fait une petite critique du concept de souveraineté alimentaire qui est effectivement porté par un certain nombre de syndicats agricoles au niveau mondial. Il me semble, moi, que si tu veux, la question de la réapparition d'une agriculture urbaine ou de la réappropriation d'une pratique agricole par des urbains, elle vient de contradictions plus profondes qui naissent dans l'exode rural. Si aujourd'hui, dans les 10 ans à venir, on a encore 300 millions de paysans chinois qui partent dans les centres urbains, pareil en Chine, pareil en Afrique, pareil en Inde, c'est indissociable. Et ce concept, il a été forgé en fait pour cristalliser le combat ou l'opposition au libéralisme, au libre-échange simplement, qui est le moteur à l'heure actuelle de cet exode rural. Donc il y a cette première question. La deuxième question, c'est un peu celle que Pascal posait à l'instant, la question de la densification. C'est une chose aussi dans les syndicats agricoles qui a été abordée un petit peu comme tu l'as abordé, qu'il fallait faire des habitats plus denses qui allaient libérer du sol. Derrière ça, il y a la critique du logement individuel, du pavillon, du petit pavillon, là, et qui est le rêve à l'heure actuelle de nombre de gens qui veulent changer leur rapport à l'espace et qui ne supportent plus la violence du type d'habitat qui leur est proposé dans les villes telles qu'elles existent. C'est évident qu'il y a une contradiction très forte sur cette question, mais on peut très vite être aussi élitiste sur ces questions-là. Il me semble, sur cette question de l'habitat, des priorités dans la critique et dans la proposition. Il faut poser en premier la question de la maison secondaire, de la maison de loisirs. Ça doit venir en premier, avant de dire aux gens, allez vous entasser. Et ensuite, effectivement, il faut proposer en même temps que peut-être cette densification, cette concentration, ça c'est quelque chose de gênant pour moi, parce que c'est vraiment le schéma de la conception industrielle de la vie humaine. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les schémas industriels
s'étendent et accaparent tous les espaces de la vie, que ce soit la production des biens et des marchandises, l'agriculture, hein. C'est aussi l'habitat, c'est la façon de se déplacer, on n'a plus d'autre schéma de pensée que de dire il faut organiser ça de manière rationnelle, de manière finalement tayloriste, fordiste, quoi. C'est l'habitat, ça va être l'habitat à la chaîne. Il y a quelque chose de gênant là-dedans qui s'oppose à... La liberté, pour moi, c'est très lié à la notion d'espace. Et cette réappropriation de l'espace, elle se pose, par exemple, aujourd'hui, dans la ZAD, aujourd'hui. Et c'est surtout des jeunes urbains qui sont des zadistes. Et c'est bien qu'ils trouvent une place ici. Aujourd'hui dans la lutte, peut-être demain si le projet est abandonné, il faut voir comment, etc. Bon, voilà ce que je voulais dire. Alors, déjà, petit aparté, vous voyez que la musique, la meilleure soit-elle, quand on ne la maîtrise pas, peut devenir du bruit. Voilà. Donc, c'est ça le problème des technologies. Elles peuvent être à la fois un moyen d'émancipation ou un moyen d'oppression. Enfin, on va revenir sur la vie. Faut être bien clair sur le problème de densification. Alors je rajouterai à ce que tu viens d'énumérer, non seulement la résidence secondaire, certes, mais aussi les logements villes, le vide, les centres-villes, qui sont des objets de spéculation. Donc si on se réappropriait par des mesures efficaces de réquisition des logements vides, des centres urbains, je pense qu'on aurait moins besoin de construire des cités, de loger les précaires du logement. Donc déjà, réapproprions-nous les logements vides des centres-villes et nous aurons déjà une partie de problème de l'habitat résolu. Quand on parle de densification, il ne s'agit pas de créer des habitats, comme tu l'as dit, industriels, où l'autonomie des habitants est totalement perdue. Nous avons un modèle, alors que je connais puisque c'est le mien, le modèle méditerranéen d'habitat, où on a des villes souvent importantes, Istanbul, Marseille, Barcelone. Alors, je parle des villes telles qu'elles étaient avant que le modèle industriel s'y impose, c'est-à-dire qu'il y avait les activités économiques urbaines qui étaient au pied, au centre des bâtiments. C'est-à-dire que les bâtiments étaient créés, souvent c'était une façade extérieure, cour intérieure, dans lequel se développaient des activités non pas industrielles, mais artisanales, y compris de production et de distribution. Et les gens qui habitaient dans les étages supérieurs étaient ceux qui travaillaient au niveau du sol. Et on avait en plus un habitat la satisfaction des besoins, y compris énergétiques, se faisait de proximité, ce qui fait qu'on avait des habitats peu hauts, donc avec une certaine autonomie énergétique, parce que plus vous montez un habitat en hauteur, plus il devient dépendant énergétiquement, plus les habitants sont incapables, sans les flux extérieurs, c'est-à-dire principalement aujourd'hui l'électricité, quelle que soit la façon dont elle est produite, ne permettent totalement leur autonomie, y compris pour se déplacer. Plus l'immeublement, plus on est dépendant des flux énergétiques. Plus on est dépendant des flux, également de la gestion de ces flux, de sortir de ces flux. Donc aujourd'hui, la densification, c'est simplement recréer des centres urbains dans lesquels les activités artisanales ou de transformation de proximité sont réintégrées au centre de la ville. Et avec des bâtiments en autonomie, en capacité d'autonomie énergétique. C'est-à-dire des bâtiments 3, 4, 5, 5 étages maximum, avec cette répartition en verticalité entre différentes générations, différents types d'utilisation, et non pas ce qu'on a aujourd'hui. Bon, moi j'habite à Montfermeil. Je suis né à Montfermeil. Montfermeil, dont on parle beaucoup dans la presse, pour les cités qui se révoltent, là où François Hollande vient de créer un emploi récemment. Eh bien, toutes ces cités industrielles ont été faites pour accueillir les ouvriers d'Aulnay, Citroën Aulnay.
on a créé des cités industrielles dortoirs pour accueillir une usine qui aujourd'hui est en train de disparaître. Donc il ne faut pas s'étonner que dans ces cités, il y ait une sous-emploi, donc une révolte de la misère qui fait qu'elles deviennent invivables. Parce qu'elles ont été créées non pas pour satisfaire les besoins des habitants, elles ont été créées pour satisfaire les besoins des industriels qui s'installaient à proximité. Donc là, on a à revoir à la fois la structure de la ville en verticalité, en usage de son sol, mais également en extension. Parce que l'expérience des villes en transition en Grande-Bretagne ont prouvé qu'au-delà de cette... Alors, suivant l'environnement, parce qu'évidemment, l'environnement bioclimatique de la ville peut différencier, mais entre 7000 et au-delà de 7000 à 12000 habitants, il était impossible d'avoir les services qui permettaient à une cité d'être en autonomie des biens essentiels nécessaires à cette cité. Donc il faut certainement revenir à un modèle urbain dans lequel les services, et en particulier l'alimentation, soient possibles dans la périphérie pour alimenter les gens qui ont des activités qui sont du domaine urbain, principalement l'artisanat, l'éducation, la création d'activités, la création culturelle et éventuellement services administratifs, enfin tout ce qui est les services qui nécessitent des bâtiments. Mais pour qu'une ville soit autonome, il ne faut pas qu'elle dépasse une certaine surface, de façon que les déplacements ne soient pas au-delà d'une certaine surface. Il ne faut pas qu'elle dépasse un centre d'habitants pour qu'elle soit d'une certaine hauteur, avec une certaine conformité, pour que les activités... Et ce n'est pas du tout le modèle industriel. Le modèle industriel tend à rendre dépendant de deux choses, de ses approvisionnements essentiels. Donc on crée des cités où il n'y a plus d'espace, d'autonomie, mais je ne dis pas uniquement alimentaire, y compris énergétique. Je vous signale aujourd'hui qu'à Paris, il est interdit de faire de se chauffer au bois dans sa cheminée. Là, ils ont interdit le chauffage au bois. Ils n'ont pas interdit les voitures, mais ils ont interdit l'autonomie des habitants. Vous voyez, pour raison de pollution. Mais aujourd'hui, alors que tous les bâtiments anciens de Paris avaient tous des cheminées. Et c'est là, je dirais, si on veut revenir à une autonomie au niveau énergétique, il faudra aussi qu'on soit capable, dans les bourgs, d'avoir aussi cette autonomie énergétique, pas dépendre soit des flux des pétrochimies, etc., ou soit des flux électriques. Il faudra qu'il y ait autour des villes ce que moi j'appelle la forêt paysanne qui permet d'alimenter une partie des besoins énergétiques des villes. Alors évidemment, ça veut dire aussi l'utilisation du solaire, l'utilisation de la biomasse, mais ça veut dire aussi que c'est à proximité. Voilà, donc il y a toute cette proximité à reconstituer autour des villes. C'est-à-dire qu'il faut des modèles urbains qui se densifient et non pas qui s'étalent. Et je t'avoue, pour avoir vécu personnellement toute mon enfance dans ces immeubles 3, 4 étages, mais dans lequel il y avait au bout de l'immeuble un jardin, que ça ne me paraissait pas, ce qui est aujourd'hui ces systèmes concentrationnaires des villes modernes, enfin des villes industrielles. Modernes semble un mauvais terme. Les villes industrielles, aujourd'hui, il y avait nous avons connu des villes où on avait au bout de l'immeuble, où il y avait l'épicerie, éventuellement un artisan, un menuisier par exemple, ou un cordonnier, et qu'il y avait derrière un jardin. Et ça a existé. Simplement, on a vidé les campagnes et on a industrialisé la ville. Eh bien, il faut sans doute aujourd'hui réfléchir à sortir de l'industrialisation, et pas seulement de l'agriculture, mais aussi de la cité. Et ça, je pense que
c'est une réflexion qu'on va certainement permettre d'avancer avec le problème de l'alimentation, des approvisionnements, mais je crois qu'il faut l'élargir à l'ensemble des satisfactions de nos besoins essentiels. Et on voit très bien que le problème énergétique va être très rapidement aujourd'hui, notre dépendance énergétique dépend essentiellement de deux choses, notre modèle urbain et notre modèle de transport. Si nous supprimons, c'était la deuxième dépendance, les villes industrielles sont des villes où on a une grande dépendance à la voiture individuelle. Les villes sont construites pour ça. Donc l'étalement urbain favorise la voiture individuelle et éventuellement favoriserait les transports en commun, mais favorise de toute façon la dépendance, le problème des transports. Et alors que nous devons militer pour un modèle urbain d'indépendance au niveau des flux, qu'il soit énergétique ou au niveau des approvisionnements, qu'il soit énergétique ou qu'il soit nourricier. J'habite dans les Pyrénées-Orientales, dans un tout petit village. Et quand je rentre dans Perpignan, il y a sur le côté, là, la route, c'est grande circulation, il y a un jardin et que je vois cultiver régulièrement. Et je me dis, j'ai beaucoup de suspicions pour les légumes de ce jardin par rapport à la pollution sur les métaux lourds et tout ça. Comme je vois des gens qui ramassent des escargots le long des routes. Alors je voulais savoir, lorsque vous décidez d'ouvrir un jardin, est-ce que cette notion de pollution, vous la prenez en compte? Vous essayez que ça soit un peu loin d'une route à circulation? Enfin voilà, est-ce que ça rentre dans vos préoccupations? Parce que pour moi, ça me paraît très très pollué. Ceci dit, à la campagne aussi, on sait que c'est pollué. Et que les abeilles en ville sont ont un pollen moins pollué qu'à la campagne, notamment dans le domaine de viticulture. Voilà. Ma question, c'est sur la pollution de ces jardins urbains. Qui effectivement, la ville, c'est pour la voiture. Moi j'ai l'exemple, je vais beaucoup en Allemagne, par exemple, bon, il y a une densité urbaine importante, on aménage les pistes cyclables et ça marche très bien. Je peux vous dire que les Allemands, ils font très attention dans les centres-villes parce qu'ils aiment la qualité de la vie et ça change tout le tour. À partir du moment, parce que bon, traverser une ville, même 5 km à vélo, bien sûr c'est souvent plat ou même s'il y a du relief, c'est tout à fait possible. Donc il faut réorganiser la ville. En fonction des pistes cyclables et des déplacements doux, comme le vélo. Il n'y a pas besoin d'être... Bon, moi, j'aime beaucoup la randonnée, je viens de la source de la Loire et je fais l'estuaire par la Loire à vélo, qui est une très belle réalisation, la Loire à vélo. Hein. On fait ça en famille, c'est très très bien. Mais au niveau du développement urbain, il faut absolument penser aux pistes cyclables et ça marche très bien. Si on fait des espaces tout à fait sécurisés et les cyclistes, on n'a aucune envie d'être au milieu des voitures. Moi, je suis du Val-de-Marne, à Fontenay-sous-Bois, donc les questions un petit peu d'agriculture, on est sensibilisé, parce que bon, déjà on a trois AMAP, on a une association qui s'appelle Bulle de Vie qui vend des productions courtes, donc qui a rétabli le lien avec des producteurs de proximité. Voilà, et donc pour la question de la pollution en ville, elle est indéniable. Bon, il y a la question évidemment de la circulation automobile individuelle et qui n'est pas limitée. On sait très bien qu'il y a des gaz et qu'il y a des métaux lourds, par exemple, à proximité des routes. Mais bon, madame, déjà un peu répondu à la question, c'est que la campagne, d'une certaine façon, est plus polluée par tous les traitements. Et pareil, souvent, on a établi un verger, ça s'appelle les vergers de l'îlot, plein centre-ville. Donc c'est associatif, avec une convention avec la mairie, ça fonctionne. On a un rucher. Donc on voit que les abeilles arrivent quand même, malgré tout, à survivre. Donc je pense qu'on peut, j'ai tendance à penser que la ville, justement, pour revenir au sujet d'agriculture urbaine, réintroduit la question du vivant, et puis justement peut-être d'élever le niveau d'exigence, et puis de ne pas accepter un certain type de pollution. Donc je crois que c'est plutôt dans le sens de réintroduire justement du jardin, et du coup on se va se poser la question, mais pourquoi cette pollution, pourquoi en particulier la circulation automobile aux pesticides principalement et la pollution à la ville qui peut être sur d'autres types de polluants, ça peut être intéressant si vous avez réfléchi à ça. Et moi, je trouve que c'est intéressant, c'est que la question du jardinage, elle pose la question de la qualité de l'air et en ville. Déjà, rien que de se poser la question de toutes les sources de polluants dans les villes, c'est
ça permet de se dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire cette pollution? Sachant qu'on en discutait avec une personne hier sur le stand là, du mouvement des agriculteurs, s'il fallait analyser tous les sols, tous les végétaux pour savoir la quantité de métaux et tout ça, ça demanderait des budgets énormes. Et je pense que les budgets, certes c'est important de savoir si c'est un petit peu, si c'est pollué ou pas, mais je pense qu'il y a, là on est à un moment clé où l'argent, il faut le mettre dans l'humain, dans le développement de ces expériences de jardinage, développement de l'agriculture urbaine. Et ben, tant mieux si ça fait poser des questions auprès des élus pour savoir en tant que citoyen quelle est la qualité des sols, quelle est la qualité de l'air. Vous savez, par exemple, dans la région azérienne, j'avais jeté un œil sur le compte-rendu de Air Pays de Loire il y a quelques années. La raffinerie de Donges émet 7 tonnes de benzène chaque année dans l'atmosphère. 7 tonnes de benzène, c'est un produit cancérigène. Bon, évidemment, c'est disséminé partout, mais bon, depuis combien de décennies la raffinerie existe, mais c'est-à-dire que nos sols sont contaminés forcément. Et voilà, c'est-à-dire que ça remet cette question, bizarrement cette question du jardinage, ça fait émerger la question de la société industrielle via l'urbanisation, mais aussi via nos modes de vie. Les flux énergétiques, eh ben, le pétrole, tout ça, c'est... Bon, on est aussi avec Notre-Dame-des-Landes, on est sur ces questions énergétiques et de terres agricoles, du pétrole pour les avions, des terres agricoles pour les gens, il va falloir faire des choix à un moment donné. Et nous, au niveau du mouvement des objecteurs de croissance, cette question de l'agriculture urbaine, elle pose vraiment la question, c'est comment on fait pour organiser la décroissance de notre empreinte écologique, réduction des transports, c'est-à-dire relocalisation des activités auprès des zones d'habitation des gens, comment on organise la décroissance des inégalités aussi, sociales, parce que dans les villes, les personnes qui sont... Dans ces habitats construits de manière industrielle, comme cité dortoir, qui n'ont pas accès au jardinage, tout ça, elles sont contraintes d'aller faire leurs courses dans la grande distribution qui supprime les terres agricoles en délocalisant les productions agricoles à travers le monde dans les zones où c'est le moins cher, où il n'y a pas de contraintes environnementales. Donc, on repose la question, nous, c'est comment on organise cette décroissance des inégalités et cette décroissance de l'empreinte écologique. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est posée par cette question de l'agriculture urbaine. Et alors, ça touche plein de domaines, mais on a c'est impérieux de se poser cette question de la décroissance. On s'appelle mouvement des objecteurs de croissance parce qu'au début, on se disait, bon, la croissance économique, c'est le problème, mais on peut objecter la croissance. Il faut arrêter que la croissance continue. Mais on est rendu à un moment où tous les seuils sont dépassés. Les inégalités ont explosé, le rapport des revenus entre les plus pauvres de la planète et les plus riches ou dans un même pays ont explosé en 30-40 ans avec la société ultralibérale. Les problèmes écologiques ont explosé. Donc c'est comment on organise la décroissance de l'empreinte écologique et des inégalités sociales, et comment recréer du lien social à travers des alternatives concrètes, à travers des projets politiques que l'on peut mener dans les collectivités, parce que c'est encore un espace, même si avec les projets de métropolisation, avec la loi de décentralisation, ça va encore donner la prime à des grandes cités comme Nantes, qui veut être le phare du Grand Ouest. La question urbaine, elle est au centre de l'avenir proche, parce que les questions énergétiques avec le renchérissement des matières premières, elle va nous peser très gravement sur nos porte-monnaies et donc sur encore l'accroissement des inégalités sociales, parce que la précarité énergétique pour les gens qui n'ont pas de revenus, on voit tous les ans l'électricité, le gaz augmenter, ça va, les gens vont plus pouvoir avoir d'argent pour se nourrir. Non, on va rentrer dans des périodes difficiles, hein. Même si on nous dit elle revient, regardez, elle revient la croissance. Non, adieu la croissance, il faut qu'on raisonne sur d'autres modes de vie. On voit que ces expériences de jardin partagé, ça met au. Les gens, à Lien Alimentaire, on est rendu à quasiment 90 adhérents.
Et dans tous les exemples d'expériences concrètes dans les villes, les vergers, tout ça, les gens ils viennent parce qu'ils retrouvent du sens dans la vie. Ils remettent un sens à leurs activités. Ils prennent du... Ils se donnent le temps de rencontrer les gens, de faire des choses ensemble. Il y a du collectif qui se recrée. On décolonise notre imaginaire de la société individualiste où chacun est responsable de son alimentation, il fait ses petits achats, mais surtout il reste bien cloisonné dans son petit monde. Non, là, la question des alternatives et de l'agriculture urbaine, c'est des pratiques collectifs souvent qui permettent justement aux gens de se fédérer, de mutualiser, de coopérer. Donc c'est d'autres valeurs qui sont véhiculées par ça. Et donc ce que je redis, c'est sans attendre le grand soir et sans illusion, on s'y met maintenant pour organiser cette décroissance des inégalités sociales et de l'empreinte écologique. 30, c'est pour les maisons individuelles, 20% pour les routes. Donc ça donne un peu un ordre d'idée du mode de consommation effectivement basé sur l'automobile et sur le choix du pavillon individuel qui paraît comme l'objectif à atteindre pour chacun. Et c'est d'abord sur ça qu'on doit qu'on doit réfléchir à une autre vie possible. Un film qui a été fait sur Cuba qui a pu faire face à l'arrêt d'approvisionnement de gaz l'URSS dans les années 90, ils ont réussi en une dizaine d'années à atteindre une autonomie des villes à plus de 90%. Mais ça ne s'est pas fait en douceur. Le Cubain moyen a perdu 10 kilos en quelques années. Donc ça serait plus sympa de pouvoir l'organiser que de le subir. Parce que l'aspect pétrolier est quand même au centre de la production alimentaire et agricole. Et quand on s'alimente, une bonne partie de la valeur, si ce n'est pas près de la moitié, c'est des frais liés au pétrole via les engrais, via le transport, etc. Donc il faut décarboniser notre production alimentaire, notre jardinière, etc. Donc nous, concrètement, sur la plaine des bords de la Chenevière, sur nos 2 hectares, on a fait notre première moisson de blé à la faux et à la faucille. C'était très sympa, mais ça demande aussi un réapprentissage, parce qu'à Cuba, il a fallu réintroduire donc, la traction animale, et beaucoup de savoir était perdu. Donc ça demande à y travailler, on sait plus comment mener les bœufs, comment mener les ânes, les chevaux, donc ça s'apprend. Effectivement c'est un problème en ville. Là ça me fait penser à certaines associations comme EcoBox à Paris qui cultivent dans des sacs hors sol. C'est une façon d'éviter la pollution, je ne sais pas si c'est la meilleure. Nous, concrètement, sur Chenevière-sur-Marne, bon, c'était un terrain qui était agricole et qui avait été laissé en friche. Donc la principale préoccupation, c'était de veiller aux endroits qui étaient devenus des lieux de décharge ou de déchetterie sauvage. Mais on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir un sol qui n'a pas été pollué par un site industriel, comme c'est beaucoup le cas dans des zones urbaines. J'aurais aimé savoir si vous aviez un avis, un regard critique sur ce qui s'est fait dans les endroits où on cultive sur le toit des immeubles, ou sur le toit des grandes surfaces, etc. On se posait la question de la terre, mais du coup, sur quelle terre on cultive dans ces endroits-là, mais qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que vous avez un regard là-dessus? Sur la pollution des légumes urbains, il y a une étude qui est sortie il y a environ 6 mois, et il y a effectivement une présence importante de métaux lourds dans les légumes qui sont cultivés en contact direct avec les voies de circulation automobile. Par contre, c'est limité à, je crois, il faudrait vérifier, mais à entre 50 et 100 mètres. Donc je pense qu'effectivement, il est impératif de ne pas manger de légumes ou pas d'installer de jardin directement en contact avec les voies de circulation automobile. En tout cas, tant qu'on n'aura pas débarrassé la ville des automobiles. Par contre, effectivement, dès qu'on passe ces 50 ou 100 mètres, on est effectivement sur une pollution, j'ai envie de dire, normale, on n'a pas de problème particulier. Quoi. Mais je pense que c'est quand même important de le savoir. Oui. Ils transportent les pollutions, donc quelles sont les... effectivement. Alors après, il y a les solutions, qui est de remettre des haies, des arbres autour des routes, si besoin des routes. Est-ce que, malheureusement, on fait le contraire? On les enlève tous.
Nous n'ayons absolument pas de politique d'aménagement du territoire. Là, nous parlons beaucoup des villes, mais nous passons toutes nos vacances en France et nous séjournions récemment dans une petite bourgade qui s'appelle Argenton-les-Vallées. La moitié du village est à vendre. Toutes les maisons sont à vendre. Mais c'est incroyable. Les commerces, n'en parlons plus. Et vous sortez du village et vous trouvez un petit lotissement, des maisons individuelles, qui n'ont pas toujours un jardin, mais une belle pelouse. Et là, je pense qu'il y a quand même un gros problème, parce qu'en fait, Argenton, c'était hier, mais l'année dernière, c'était Excideuil, qui a pratiquement la moitié de la ville à vendre, avec des maisons magnifiques, un environnement superbe. Et là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je suis élu à l'urbanisme. Trois petites remarques concernant la réalisation qui a pu se faire à Mansartou. Il faut savoir que ça n'a été possible que parce que le maire, qui est un peu isolé dans son secteur, hein, on est un secteur que vous connaissez, qui a des élus de droite depuis de longues dates, qui quadrille bien le terrain, il a développé depuis 40 ans qu'il est maire une politique de réserve foncière, à la fois dans le milieu urbain, mais aussi en milieu naturel. Et donc on a eu ces 4 hectares qui nous ont permis de créer la régie agricole. Finalement, avec le recul, on se dit que c'est grâce à ça. Mais sur le moment et dans le court terme, on a eu le sentiment, nous les élus, que c'était pas compliqué, quoi. À partir du moment où on est conscient des enjeux, soit alimentaire, soit économique, il suffit de dire, on a une terre là, elle est nourricière dans son potentiel, ben voilà, on embauche un agriculteur qui, dans ses coûts, viendra contrebalancer les coûts qu'on a dans les achats par appel d'offres. Il y aurait une petite histoire à vous rappeler sur cette régie, mais c'est pas ceux que ça intéresse, éventuellement je pourrais en parler après. L'intérêt de cette régie-là, c'est que ça développe maintenant des pistes diverses qui contribuent à enrichir la cohésion sociale. Par exemple, cette production de régie agricole, elle va peut-être être en décalage par rapport aux besoins. Elle produit pour 1000 repas jour, elle veut produire pour 1000 repas jour, on a un objectif d'aboutir à 30 tonnes à l'année, là on va vers les 20 tonnes, et même l'été, quand les écoles ne sont plus en fonctionnement, il faut quand même ne pas perdre le résultat de ce travail. On est en train donc de penser à une mise en conserve des aliments, d'où la nécessité de réfléchir à tout le circuit alimentaire. Voilà. Ça fait vraiment regarder autrement la production locale avec ce souci d'autonomie dont vous parliez. Nous, on parle plutôt d'autosuffisance à un niveau plus global, ce qui d'ailleurs a étonné la préfecture, parce que quand on est passé de 40 hectares dans notre PLU à 110 hectares, motivé pour les valeurs et les préoccupations que vous avez évoquées, on a été convoqué devant le préfet, parce que c'était plutôt inhabituel dans la Côte d'Azur. On est plutôt à la baisse en termes de surface agricole qu'à l'augmentation. On a développé notre argumentation, chiffres à l'appui, et on a montré que ça nous mettait dans la bonne direction d'autosuffisance alimentaire. Voilà. Ça, c'est simplement pour vous dire, par exemple aussi, il y a des relations qui s'établissent entre une structure d'insertion par économie qui produit des plans agricoles, et donc du coup ces plans reviennent dans la régie agricole. Inversement, il y a du témoignage qui se fait. Nous, on n'a pas de structure école en termes de jardinage. On peut venir visiter la régie agricole ou venir visiter les jardins d'insertion économique, et puis on peut apprendre un petit peu. On a créé des jardins familiaux, etc. Il y a beaucoup d'échanges qui se créent entre ces structures ayant des vocations différentes, mais qui amènent à se positionner en termes de relations de façon nouvelle et beaucoup plus constructive, quoi. Ça, c'était la première chose. Donc, régie agricole, mais aussi plus de dynamisme en termes de cohésion sociale. Vous parliez de densification. Là, je suis un peu porteur de cette préoccupation dans la commune, puisque j'ai animé le PLU en relation avec un agenda 21.
Nous, le plus gros danger, c'est certes la métropolisation, mais en ce sens que qui gardera la compétence du droit des sols? Et c'est là qu'il est l'enjeu. Nous, on a pu réaliser cette régie agricole parce qu'on a encore la compétence du droit des sols. Et on s'y accroche. Mais les lois qui vont sortir, elles vont faire perdre la compétence du droit des sols aux maires au profit des présidents des communautés d'agglomération ou des métropoles. Et donc, certains présidents de métropoles ou de comités de communautés urbaines ont tendance à dire « Mais non, on va s'arranger, on va passer un contrat avec les maires, ils vont garder la compétence, etc. » Mais la loi permet à tout moment au président, à la majorité en place de la communauté urbaine ou des métropoles, d'avoir une autre position sur certains projets malgré l'avis du maire. Voilà. Et donc, il y a un gros problème là. C'est la métropolisation, moi je vois le danger par rapport au droit des sols. On réussissait à gérer jusqu'à maintenant, au plus près des unités de vie que peuvent être les communes, on réussissait à gérer les besoins par rapport à des projets sur lesquels les maires et leurs équipes étaient élus. Là maintenant, ça ne sera plus ça. Le droit des sols, il est transféré aux communautés d'agglomération, aux communautés urbaines ou aux métropoles. Donc là, il y a un gros danger. Voilà. La dernière petite chose, on est en train de réaliser sur Mansartou, parce qu'on était un peu à la traîne en termes de logements sociaux, il y a des explications à ça. Donc on fait un gros travail sur les logements sociaux, et bien compte tenu de notre bonheur de faire partager à des habitants une dernière création de jardin familial qui marche à tel point qu'on en est à doubler la liste d'attente en termes de candidature. On est en train de demander aux bailleurs sociaux qui vont construire des unités de vie à l'échelle de ce que vous disiez, des petites unités où les gens se retrouveront à 30, 40, 20 ou 10, selon les cas, unités de vie, unités de famille. On est en train de leur dire toutes les fois où c'est possible, vous créez des jardins familiaux. Voilà. Et si tous les habitants de ces logements ne sont pas intéressés par l'utilisation, ouvrez ces jardins familiaux au quartier. Mais il faut qu'ils fonctionnent à fond. Et ça, on peut le justifier parce que il peut y avoir eu un puits. Le puits, on a marqué au niveau du droit d'urbanisme une préservation, il y a une ressource en eau, etc. Enfin, voilà. Et creuser ces idées-là, il y a aussi une autre idée. Il y a des maisons de retraite qui se sont créées. Quelquefois, elles ont du reste de terrain plus ou moins utilisé. Comment favoriser la cohésion sociale entre les personnes qui sont là, qui n'ont peut-être pas tout le moyen pour cultiver, et puis s'ouvrir au quartier pour qu'effectivement des jardins familiaux viennent s'y fixer. Voilà. Alors, vous avez une question, j'avais dit 1, 2, 3 là-bas. Je travaille en Palestine, mais c'est un peu le même cas que Cuba. Quand il y a eu à Gaza le blocus total, ils ont créé justement des jardins, ils n'appellent pas ça des jardins familiaux, c'est des jardins interurbains, qui sont souvent des jardins interurbains qui sont souvent très petits et qui n'emploient pas d'engrais chimiques ni de pesticides, pas tellement par conviction mais par manque d'argent, et qui fournissent donc essentiellement les voisins, la famille et les voisins, avec un petit élevage. Et ensuite, dans les endroits, parce qu'à Gaza, il y a une urbanisation intense, vu les bombardements et vu l'accroissement de la population, donc ils créent des jardins sur les toits, à étage. C'est-à-dire, d'abord, c'est des vignes en hauteur, c'est des vignes pour le raisin de table, et en dessous, ils cultivent les légumes. Donc ça leur permet un petit peu d'avoir des produits frais, et ils auraient, s'il n'y avait pas la concurrence de l'agriculture exportatrice, notamment de fleurs et de fraises, ils auraient l'autosuffisance en légumes. En fruits, pas encore. J'aurais voulu revenir sur votre suggestion par rapport à la réduction par rapport à la décroissance sociale. Vous avez dit, monsieur Dumélier, au début, que vous gagnez plus d'argent avec votre jardin qu'avec votre travail. Vous avez bien dit ça à un moment. Et donc vous avez argumenté en disant que les gens n'ont pas tous les mêmes moyens d'accès à une nourriture saine, complète, etc., territoriale, quoi. Et donc, moi, c'est plutôt une suggestion. Je dis qu'il faut inciter nos concitoyens
et le faire nous-mêmes, à réinvestir les syndicats, à réinvestir les partis politiques, harceler nos élus, afin de travailler sur la réduction de la hiérarchie des revenus, la hiérarchie des salaires, en réalité. Parce que tout le problème, il est quand même bien là. Donc voilà, c'était une suggestion. Moi, c'était dans la même suite que monsieur. En fait, et puis vous parliez justement des regroupements de communes. C'est là où c'est un gros problème, parce que justement, et en plus, elles ont de moins en moins de compétences. Donc tout se recentre. Alors déjà, bon, par rapport à tout hein, dans la vie, même au niveau culturel, ça veut dire qu'il y aura des gros points qui auront des subventions. Mais tout ce qui est autour, il n'y aura plus rien. Donc ça veut dire aussi à la population de se déplacer, parce qu'il n'y aura plus de choses locales. Et puis je suis troublée, je ne sais plus ce que je veux dire. Et puis si c'est question de la démocratie, justement, quels sont les choix donc, par rapport donc, à la ville. Donc c'est, effectivement, c'est plus facile quand les élus sont conscients, mais peu le sont. Voilà, ils sont plus tirés eux-mêmes par l'argent, par la suite, etc. Et puis par le vote. Savoir comment sont là nos élus, qui sont nos élus et comment ça se fait que ce sont des gens voilà, qui sont finalement là, qui nous proposent des programmes alors qu'ils sont censés, enfin je sais pas, en principe c'est ça la démocratie, ils sont censés aller voir la population, leur demander ce qu'elle veut et puis en fonction de ce que les gens veulent, et ben, il y aura plusieurs tendances, il y aura plusieurs personnes qui vont se proposer pour dire ben, moi je vais faire le programme de tous ces gens-là ou les autres. Mais c'est pas à eux de nous proposer des choses. Donc en principe, voilà, c'est la population. Hein. Mes enfants ont appris ça vite fait. En une heure de temps, ils devaient savoir par cœur ça. Et donc du coup, je l'ai réappris. En principe, on était responsable de nos communes et de nos départements. Et paraît-il même que dans les cours d'école, c'est parce qu'on n'a pas le temps qu'on élit des délégués. Voilà. Donc il y a un problème à ce niveau-là, au niveau de la démocratie déjà. Sont conscients, et ben des rues sans voiture, c'est possible aussi. Puis il y a des initiatives telles que remettre des cultures partout où, voilà, où il y a de l'herbe déjà depuis désherber les rues avec du Roundup. Et puis partout où il y a des ronds-points, par exemple, ou des parcelles, ben déjà en remettre un peu plus de ces parcelles et puis faire en sorte qu'on cultive des légumes. Au lieu de planter des platanes ou autres arbres, ben mettons des arbres fruitiers. Voilà, il y a des choses, il y a plein de choses à faire, mais il faut que les élus soient conscients et que nous, on soit les élus, quoi. Et allez vite, puisque c'est ainsi. Je voudrais m'excuser, je n'étais pas là au début. Donc je voulais savoir si vous aviez parlé du mouvement transition qui initie justement des réponses à la question de la personne précédente. Bonjour, je suis Myriam Leroux. J'ai eu l'habitude de vivre toujours dans des grandes cités, dont la cité de la Grande Voie, la Grenouille, que vous allez tous connaître, excusez-moi. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour les projets de tout ce qui est jardin, qui soit effectivement à la disposition des personnes en ce qui concerne l'alimentation. Mais un problème se pose, c'est la sécurité. Et j'aurais aimé savoir comment ça se déroule lorsque vous avez dans des cités énormément de problèmes de sécurité et dont une grande partie des jeunes, malheureusement c'est le cas, saccagent tout. Alors je vais garder une partie technique pour moi et après les parties politiques, ça sera les sociaux, mes voisins, ils vont répondre. Sur la culture verticale, certes, c'est une possibilité, une alternative en ville à deux conditions. C'est que les substrats soient un sous-produit de l'utilisation de la biomasse ou de l'usage de nos déchets et non pas de l'import de sol artificiel de type de tourbe, etc. D'ailleurs, encore plus piller le milieu naturel pour faire des sols artificiels. Mais nous avons la chance, c'est que les villes ont fait beaucoup de caca. On a encore pas mal d'épluchures de légumes. On peut aussi avoir quelques... si on avait une production d'énergie à partir de la biomasse et comme il serait utile qu'on ait de la biomasse qui s'élève en ville par des haies, par des arbres, par des bosquets, etc., des espaces verts, eh bien on aurait de la biomasse
de récupération, et avec ça, on pourrait faire d'un côté de l'énergie, du gaz, mais, et avec le reste, on pourrait avoir un substrat pour cette agriculture verticale. Mais voilà, les limites, c'est la limite énergétique. Il faut penser que nous devons avoir une production alimentaire qui soit décroissante en termes de consommation d'énergie et non pas actuellement cette absurdité. Notre agriculture, vous savez, l'agriculture, ce n'est simplement qu'utiliser l'énergie solaire en utilisant l'aide des plantes, les plantes qui ont cette faculté de transformer le carbone en sucre, et que nous, le sucre, on le mange, c'est notre énergie. Eh bien, ça passe par les rayons du soleil, c'est tout gratuit, c'est tout fourni par les plantes, quelques seuls minéraux du sol. Eh bien, nous, notre agriculture, elle est déficitaire du point de vue énergétique. C'est-à-dire qu'elle consomme plus d'énergie qu'elle produit d'énergie, alors que l'essentiel de la nature produit de l'aliment gratuitement et sans consommation d'énergie, puisque c'est le soleil qui nous le donne en permanence. Donc on a une agriculture carbonée, c'est-à-dire dépendante du pétrole, qui fait qu'aujourd'hui notre agriculture est déficitaire. Donc il ne faut pas qu'on recrée des modèles urbains d'agriculture déficitaire. Alors voilà, je pense que... Et pour ce qui est de l'agriculture verticale, je peux vous dire que c'est une tradition. En tout cas, c'est une tradition dans les pays méditerranéens, puisque nous avons des sols difficiles, des sols plutôt des montagnes, et nous avons l'habitude de cultiver sous la vigne d'autres cultures. Le vino verde au Portugal, il est cultivé sur des murs. Les vignes sont sur des murs, et à l'intérieur, on a la production alimentaire. Donc on a une pratique de l'agriculture viticole. Voilà, je crois qu'il faut, il faut l'accepter en ville, il faut la développer, à condition qu'elle ne soit pas une surconsommation d'énergie encore de plus. Ça, je voulais dire ça, et avant je voudrais aussi dire qu'on a beaucoup parlé de maraîchage, il faut qu'on se réapproprie aussi le petit élevage, notre production, les œufs, ce qu'on appelle l'aviculture, parce que je vous rappelle que le rapport énergétique de l'aviculture, c'est 1 à 2, alors que la viande, les autres viandes, le mouton, c'est 1, le mouton et chèvre, 1 à 3, suivant le mode d'élevage, évidemment, si c'est tout en sol, ça monte. Et la vache, la principale alimentation carnée, c'est de 1 à 7, et pour cheval, c'est encore pire. Le cheval doit être prohibé des gens s'il n'est qu'un passe-temps, et un passe-temps élitiste de loisirs. Il doit revenir ce qu'il est, c'est-à-dire accompagnateur, si on le souhaite, de l'activité humaine à travers l'attraction animale. Et il n'y a pas que le cheval, en l'occurrence, à ce moment-là, il faut plutôt redévelopper les races de d'âne, baudet, etc. Voilà. Alors, bon, je crois qu'il faut... Et l'aviculture, c'est-à-dire la production, lapin, tous ces petits, ce qu'on appelle les petits élevages, il faut réintroduire en ville. C'est-à-dire qu'il faut lever toutes les interdictions d'avoir ces animaux en ville, et surtout s'opposer à ces absurdités qu'on voit, la crise de la grippe H1N1, où on m'expliquait qu'il fallait supprimer tous les petits élevages individuels, alors que elle s'est développée que dans les élevages industriels, cette fameuse grippe issue de la grippe du poulet, qu'on appelle. Donc, je crois qu'il faut réintroduire, et l'élevage en ville, c'est une façon d'utiliser nos déchets et de les valoriser. Et sachant que la poule, au bout du compte, elle, avec nos déchets, elle va faire un engrais qui nous servira, en plus des œufs qu'elle peut faire. Donc on a toute une chaîne alimentaire qu'il faut réintroduire en ville. Et je vous le répète, dans le modèle urbain traditionnel, il y avait aussi de l'élevage en ville, et pas seulement du jardin. Quelqu'un parlait tout à l'heure des vols. Alors pour ce qui est de l'expérience du jardin collectif de relocalisation à Chennevières, on avait en fait un défi, c'est d'avoir un terrain qui soit ouvert aux populations. Donc notre choix, ça a été de ne pas choisir par exemple le statut de jardin ouvrier ou jardin partagé qui est clôturé avec des horaires d'ouverture, etc. Mais effectivement, après, il y a quelques vols de temps en temps, on a partiellement clôturé tout en laissant le lieu ouvert et accessible, parce qu'on veut que ça soit un lieu
qu'il y ait un intérêt pour les populations autour et qu'elles puissent quand même accéder, quoi. Donc on, en gros, ne pas rendre trop facile le vol, mais sans se barricader, quoi. Sur les relations avec les villes en transition, bon, on est en rapport ou impliqué ou constant avec le mouvement des villes en transition. Et je signalerai en même temps pour ceux qui veulent nous rendre visite au mois de septembre dans le cadre du Festival des Utopies Concrètes qui est soutenu par les villes en transition. On accueillera les automnales de la permaculture les 28 et 29 septembre, donc à Chennevières sur la plaine des Bords, donc le terrain en permaculture. Ouais, je vais terminer sur un. Moi, je remercie l'adjoint urbaniste de Mansartou, une ville que nous on suit à Saint-Nazaire avec plein d'expérimentations. Je pense qu'il faut vraiment, en tant que citoyen, on se réapproprie la question de notre participation. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de déléguer complètement la question politique. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut qu'on porte des idées que certains ne porteront jamais parce qu'ils sont pétris de l'idéologie de la croissance infinie dans un monde aux ressources limitées, en croyant qu'en faisant toujours plus de zones d'activité commerciale partout, ça va créer de l'emploi, faire des jolis aéroports HQE, ça va créer de l'emploi. On n'a pas la même vision du monde. Et il faut arrêter de déléguer. On n'a pas les mêmes amis non plus. Oui. On n'a pas les mêmes amis. On n'a pas la même vision du monde et il faut prendre la responsabilité d'aller porter nos idées. Juste un exemple, et pour replacer cet atelier dans le contexte qui va venir là, c'est-à-dire que chacun va être amené aussi à être citoyen pour les municipales notamment. En 2008, nous, à Saint-Nazaire, on a créé une liste citoyenne en portant ces idées d'écologie en ville, de la démocratie. On a fait 17,69%. Donc, c'est possible d'aller porter ces idées et ensuite les représenter au sein d'un conseil municipal. À Moissartou, ils sont dans la majorité. Et là, on voit, quand on est aux responsabilités, qu'on peut faire avancer. On sait toutes les limites institutionnelles parce qu'effectivement avec la loi de décentralisation dans plein d'endroits ça va bloquer certains. Mais à un moment donné, il faut aussi savoir désobéir à des lois qui nous empêchent d'être autosuffisants. Je veux dire, la question de la désobéissance civile, elle se pose crucialement aussi. Et là on est sur un lieu où on est quand même des désobéissants en puissance. On refuse le monde de l'aéroport. On refuse ce monde de l'industrialisation qui détruit les vies et les espaces qui permettent de vivre. Alors assumons, voilà. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup à tous, merci aux intervenants et aux questions intéressantes qu'on a eues. Ce qui a été accroché là.